Alors, on fait beaucoup d'efforts pour faciliter l'implication de nos membres. Alors, au passage, il ne faut pas confondre aider à s'impliquer et puis mobiliser, puisqu'on va aider des membres à s'impliquer, ou alors on va nous les mobiliser, ce qui est différent. On en avait parlé dans implication ou mobilisation. Mais parfois, eh bien, finalement, on a une vague de désimplication, et alors là, ça ruine tout. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir les signaux qui nous alertent du risque de désimplication. Alors pour ça, eh bien, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais vous raconter l'histoire de l'ORTF. L'ORTF, vous savez, c'était les premières chaînes de télévision française publique, donc il y a déjà quelques années. C'était une grande organisation, mais finalement aussi où il se passait pas mal de choses. Et d'ailleurs, c'était parmi les meilleures chaînes de télévision au monde. La première chaîne française, la deuxième chaîne française, la troisième chaîne française, et puis Channel 4 aussi, qui était une excellente chaîne et qui d'ailleurs continue d'exister en Angleterre. Et puis, ben finalement, c'est un endroit où les salariés étaient très motivés, ils inventaient plein de choses. Alors, ils ont inventé comment on filmait une dramatique, puisque en fait, la télévision démarrait à cette époque-là et on ne savait pas effectivement, comment on filmait, est-ce qu'on allait faire des champs, des contre-champs, des choses comme ça. L'incrustation aussi, vous savez, ces fonds verts qu'on utilise pour la météo, ou que j'utilisais il n'y a pas si longtemps que ça encore. Maintenant, les nouveaux systèmes permettent de détecter directement le fond, donc j'ai même plus de fond vert ou de fond bleu, mais ça a été inventé à l'ORTF. Et puis, ben, ils étaient tellement motivés que de temps en temps, ben, ils dormaient même sur les plateaux. Bref. C'était fantastique. Et puis, ben, finalement, les personnes sont arrivées en disant, bon, on va essayer d'améliorer ça, on va optimiser un peu tout ça, alors on va les interroger. Alors, vous dormez de quelle heure à quelle heure, combien de temps vous travaillez, etc., etc. Et alors, les personnes ont répondu, et puis merde. Et puis merde, ils se sont désimpliqués. Ça a été même catastrophique pour l'ORTF, qui aujourd'hui, après, a éclaté en différentes chaînes. Et simplement parce que, en fait, eh bien, les gens se sont désimpliqués. Ils étaient extrêmement mobilisés. Puis on leur a demandé plein, plein de questions pour savoir pourquoi ils étaient impliqués. Est-ce qu'ils dormaient? Est-ce qu'ils ne pourraient pas faire plus encore, etc. Et puis merde. Et puis merde, c'est quand même un terme très intéressant. D'ailleurs, il vient de. Alors, à la fois, c'est quelque chose qu'on entend, mais il vient aussi du livre de François Clauzet qui, justement, présente toute l'histoire de l'ORTF et qui s'appelle le système EPM. EPM comme et puis merde. Et donc, quand vous entendez et puis merde, eh bien, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il y a un deuxième terme aussi qui va nous intéresser. C'est un autre signal d'alerte. C'est pas mon problème. Hein, lorsque la personne se dit, bon, tiens, finalement. Bon, c'est pas tellement mon problème, etc. Alors, on pourrait se dire, oui, peut-être que c'est pas son problème. Mais rappelez-vous, on avait parlé aussi de l'intelligence collective en lien fort et en lien faible. Alors, lorsque vous êtes dans une équipe hiérarchique, eh bien, vous avez des choses à faire, et puis bah, peut-être les autres ont d'autres choses à faire. Et voilà, c'est très bien comme ça. Mais lorsqu'on est en lien faible, le principe, c'est que tout le monde peut ne rien faire aussi. On peut être simplement observateur ou même totalement inactif. Et c'est normal. Et donc, en fait, c'est jamais vraiment notre problème. Mais par contre, on peut décider, être intéressé par le prendre en compte. Donc, pas mon problème, et bien évidemment c'est aussi un indicateur d'alerte extrêmement intéressant. Et donc finalement ces deux petits indicateurs, et bien ce sont des indicateurs d'une maladie extrêmement contagieuse, la désimplication, parce que on risque d'avoir de plus en plus de personnes qui désimpliquent comme ça. Alors comment on va faire? Eh bien tout d'abord, on va soyez attentif à ces deux expressions. C'est vraiment les expressions précises en français qu'on utilise. Et si vous entendez ça dans votre groupe, et puis merde, tiens, oh, j'ai essayé de faire telle chose, et puis voilà. Ou alors c'est pas mon problème. Eh bien ce sont des très bons indicateurs. Et lorsque vous avez effectivement un danger des implications, il va falloir réagir vite. Et ça va être important avant que la contagion se propage un peu trop. Et pour ça, eh bien, réunissez-vous. Il faut en discuter. Vous allez discuter ensemble de ce qui se passe, qu'est-ce qui manque pour que ça soit ça, pourquoi eh bien, finalement on est un peu démotivé, etc. Si vous attendez trop longtemps, ça risque de s'amplifier, effectivement. Et puis, vous pouvez aussi remettre un peu de convivialité, parce que finalement, on veut faire à la fois des choses utiles quand on vient dans votre communauté, mais aussi eh bien, être heureux, avoir la convivialité, être reconnu, peut-être qu'on a des problèmes de manque de reconnaissance. Donc, détecter tout ça le plus vite possible. Alors, à vous de jouer. Est-ce que vous avez des signaux de désimplication dans votre groupe? Alors, mettez-les dans les commentaires en dessous, hein, quel que soit l'endroit où vous regardez cette vidéo qui est dans différents sites de l'Internet. Mais décrivez-moi un petit peu tout ça parce que je les lis tous les commentaires. Et ça m'intéresse bien de voir comment vous avez ces signaux de désimplication. Est-ce que vous avez attendu très longtemps et que du coup, eh bien, ça a été compliqué parce que vous avez eu toute une vague de désabonnements, de désimplications, etc. Ou alors, est-ce que vous avez pu le traiter assez vite? Et si ça vous arrive maintenant, eh bien, quels sont les signaux que vous avez entendus et comment vous les traitez? Et puis comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker avec le petit pouce bleu pour dire que vous aimez. Et surtout, ça aide à rendre avec les algorithmes plus visibles ces vidéos sur Internet de manière à pouvoir les partager plus largement. Et puis vous pouvez télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.
Thank you.